Love yourself, girl, or nobody will. Though you a woman, I don't know how you deal with all the pressure to look at. On est 3000 sur ma chaîne. Bon, j'ai allumé le 3, mais j'ai pas réussi à allumer les autres parce que j'avais laissé sur moi. Et je pense que c'est pas vraiment safe. Et voilà. Je prends le temps aussi de vous remercier, de me suivre. Genre vraiment, ça représente tellement pour moi. Un grand merci du fond du cœur. Honnêtement, j'ai tellement hâte que vous voyez ce que j'ai dans la tête. En fait, tout ce que j'ai envie de faire parce que j'ai juste pas fini quoi. Donc voilà. Mais écoutez. Santé. C'est super bon tout ça. Bon alors, vous êtes intéressés par la recette? Je vous la donne tout de suite. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par préparer le chou géant. Venez mettre l'eau, le beurre, le sucre et le sel, tout dans une casserole. Vous allez mettre le tout et vous allez attendre que ça fonde. Après, vous allez venir rajouter la farine que vous allez mélanger. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dessécher la pâte. Dessécher la pâte, c'est mettre la pâte sur le feu comme ça, en fait, et la dessécher, quoi. De cette façon. Donc voilà. Après, ce que vous allez faire, c'est que cette préparation-là, vous allez la mettre dans un autre bol et vous allez venir ajouter un à un les 4 œufs. Donc vous mettez un œuf, vous mettez l'autre œuf, vous mélangez jusqu'à ce que les 4 œufs soient incorporés. Ensuite, j'ai mis notre pâte à choux dans une poche à douille. Et je suis venue tracer mes formes. Donc là, j'ai fait les 3000 parce que j'ai fait les 3000 de ma chaîne, les 3000 abonnés. Donc là, il y en a seulement 300, mais en fait, il y aura un autre zéro que je mettrai sur une autre plaque. Passons à la garniture, la crème pâtissière. Venez mettre le lait dans une casserole dans laquelle vous allez rajouter les grains de la vanille plus aussi les branches de vanille. Ensuite, vous allez dans un autre bol préparer les deux œufs dans lesquels vous allez mettre le sucre. Vous allez bien blanchir. C'est important que le tout soit très bien blanchi. Ensuite, vous allez venir rajouter la maïzena. Donc vous inquiétez pas, il y aura toutes les mesures en barre d'information. Donc vous rajoutez la maïzena, vous mélangez le tout. Après, vous venez mettre le lait qui a bouilli dans la première préparation. Vous délayez le tout gentiment. Et après, vous allez venir remettre tout ça dans l'autre moitié du lait et vous mélangez. Là, faut être vigoureux, rapide et conscient, rapide mon ami. Faut bien mélanger pour pas cramer votre crème pâtissière. Ensuite, vous la débarrassez dans un autre bol, vous filmez le tout et vous la mettez au congélateur ou dans un endroit assez froid. Faut pas que ça congèle, hein, mais bon, un endroit assez froid pour que votre crème pâtissière refroidisse assez rapidement. Après, vous allez la ressortir et vous allez la mettre dans une autre poche à douille. Enfin, vous allez enlever surtout les branches de vanille parce qu'on veut pas manger ça. Et quand vos choux sont prêts, vous allez venir les prendre et vous faites un espace d'à peu près 10 cm entre les différents endroits et vous venez garnir le tout de crème pâtissière. Voilà. Après les avoir bien garnis, venez saupoudrer le tout de sucre glace et voilà, c'est fini. Oh my god, c'était un délice, vraiment très délicieux quoi.